l'impératrice Joséphine naît à la toute fin de l'Ancien Régime, 1763, à la Martinique, dans ce qu'on appelait la civilisation du sucre, et elle va, à peu près à l'adolescence, se rendre sur le continent pour être mariée au vicomte de Beauharnais, suite à une intrigue familiale. Ce mariage se passera très mal, ils vont se séparer assez vite. Deux enfants vont rester de ce mariage, Eugène et Hortense. Les époux vont vivre longtemps séparés, jusqu'à d'ailleurs leur disparition, et Joséphine va rester comme ça, dans cette société d'Ancien Régime, mais pas au premier rang, jusqu'à ce que survienne la Révolution, et là, son mari qui gagne en influence, elle aussi progresse en influence et commence à intégrer les cercles révolutionnaires. Elle les intègre un peu trop, et un peu trop de manière dispersée, si bien qu'elle est arrêtée elle aussi sous la terreur, au Carme, elle va échapper à la guillotine, mais de peu, et elle va sortir ensuite dans la société du directoire, elle va renaître, et c'est là qu'elle va connaître le général Bonaparte, qui fréquente les mêmes cercles de pouvoir qu'elle. La liaison va être tout de suite passionnée, emportée, le général Bonaparte va connaître la gloire en même temps, le couple va devenir assez célèbre assez rapidement, et ainsi être emporté de plus en plus vers les sommets, jusqu'à ce que son mari, Napoléon, parvienne au pouvoir en Brumaire, et elle le suit, elle continue à le suivre, devenir la consulesse, puis l'impératrice. Elle est sacrée à Notre-Dame, elle va figurer sur le tableau du sacre en bonne position, elle est à ce moment-là installée, et il y a comme ça un pouvoir, un équilibre de pouvoir qui s'est installé entre Napoléon et Joséphine, et qui fonctionne. Mais qui ne fonctionne pas jusqu'au bout parce que Napoléon veut aller encore plus loin et veut une descendance et veut une dynastie qui s'élève et qui surtout s'allie avec les dynastes existants, et notamment la maison d'Autriche. Et donc il va la répudier, va intervenir la séparation. Suivra 4-5 ans d'exil pour elle. Elle divorce en 1809, ils se séparent en 1809. Et 4 ans où elle va vivre à l'écart de la cour impériale, avec toujours une relation avec Napoléon, mais beaucoup plus distendue, jusqu'à la chute finale de l'Empire, où là, elle parvient à remonter en scène grâce au tsar Alexandre, mais une remontée en scène de courte durée, parce qu'elle périt d'une maladie pulmonaire en mai 1814, à l'âge de 51 ans à peu près, elle disparaît. Donc elle aura fait la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la chute de l'Empire. On peut la situer en fin du XVIIIe siècle, qui termine sa vie à l'orée du